Bonjour à tous, je vais vous apprendre comment enlever un mot de passe, faire un reset sur un Wiko Sync Slim. Pour cela, deux méthodes s'offrent à nous. La première par le menu. On entre dans le menu. On entre dans le menu. On entre dans Paramètres. Ensuite, sauvegarder et réinitialiser. Restaurer valeur d'usine. On coche bien effacer le stockage téléphone et on valide en cliquant sur réinitialiser le téléphone. Voilà pour la première méthode. Maintenant, pour la seconde, on va éteindre l'appareil. Et en fait, la deuxième méthode consiste à maintenir les deux touches volume ensemble et d'allumer l'appareil pour ouvrir le menu caché. Cette méthode sera très pratique en cas d'oubli ou de perte d'un mot de passe ou d'un schéma de déverrouillage ou en cas de demande d'un compte Google. Cela peut tout effacer ce qu'il y a dans le téléphone sans même entrer dans le menu. Alors, l'appareil s'est éteint. Donc, je maintiens les deux touches volume, haut et bas, enfoncées avec mon pouce et la touche d'allumage. Après la vibration, je lâche le bouton d'allumage et le menu caché est apparu. Donc, je vais appuyer sur la touche volume up pour passer en recovery mode. Volume up, c'est égal volume du haut. Donc, touche volume du haut. Maintenant, je vais rentrer en recovery en appuyant deux fois sur le volume du haut et je valide avec la touche volume bas. Voilà. L'appareil est en train de se mettre en mode recovery. Maintenant, je vais aller sur Wipe Data Factory Reset. Donc, je descends avec la touche volume bas et je valide avec cette touche multitâche. Hop là, j'ai appuyé trop vite. On recommence. Wipe Data Factory Reset. Et je valide avec la touche multitâche. Je redescends à nouveau sur Yes Delete All User Data pour tout effacer. Effacer tous les utilisateurs. Je valide avec multitâche à nouveau. Formatage en cours. L'appareil est en train de se formater. Toutes les données sont en train d'être supprimées. Voilà. Maintenant, j'appuie sur multitâche pour Reboot System Now, réallumer l'appareil. Et voilà, le Wiko est en train de se redémarrer. Toutes les données ont été supprimées. Je dis bien toutes les données. Mot de passe, schéma de déverrouillage, photos, vidéos, applications, données personnelles. L'appareil est redevenu neuf, vierge, comme au premier jour. Voilà pour la vidéo. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.